grâce de Dieu soit avec vous. Moi, salut dans les noms tout-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, moi, espérer que vous en forme avec Jésus. Verset que nous avons partagé ensemble avec aujourd'hui, c'est Jacques 1er, le verset 27. Jacques 1er, verset 27. Mais ça le dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La Bible fait mention là du qui type de religion qui pue et qui s'entache devant bon Dieu. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 27. Et m'ta remet verset ça pour capable mémoriser aussi. Et chaque jour, si vous êtes capable de mémoriser un verset, connaît un verset d'état réellement bon pour, ça fait que nous utilisons un seul verset, bien qu'il y ait d'autres versets, nous sommes capables de prendre pour nous. Mettez avec verset ça, mais nous sommes capables seulement bon, on seul verset ensemble avec lui. Et parce que nous sommes pour mémoriser un verset chaque jour, qui est réellement important pour nous. Il dit, religion qui s'entache et puis devant bon Dieu, c'est religion, mais sa religion fait, premièrement, religion ça consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. D'abord, nous voyons qu'il y a un pile religion qui existait dans le monde ça, n'est-ce pas? Un pile religion qui existait et partout dans le monde entier. Mais la Bible dit religion qui s'entache et pure devant mon Dieu, c'est religion premièrement qui consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Affliction, c'est lorsque mon a souffri, mon malade, mon na nécessité, mon na une persécution quelconque, mon ça dans le besoin. La Bible dit comme ça que vraie religion, hein, religion qui pue, qui s'entache là, ça le fait, les visiter moun sa yo. Alors, qu'on est, lorsque la Bible dit visiter, des fois, lorsqu'on visite au monde, si moun a malade, si moun a souffri, nous avons tendance des fois à apporter quelque chose. Et qui est très important, ou pas capable à loyer au monde qui a souffri, et ça que vous pas apporter un bouli, ou si vous apportez quelque chose. C'est ça que la Bible veut faire nous comprendre. C'est pas seulement aller où est mon et venir avec deux mains ou pas pour rien. Mon ça lit dans le besoin. À ce moment, il est dans le besoin. Et religion qui pue, qui s'entache devant bon Dieu, mon ça yo les visiter yo. Ça la Bible dit, les visiter yo. Parce que lorsque vous regardez un orphelin, orpheline, et c'est un monde qui pas gain parents, un monde qui pas gain papa, qui pas gain maman. Et moun sa li nan nécessité li pa gen soutien li pa gen moun ki pou aide l moun sa et job l'église job travail vraie religion c'est visiter moun sa yo accentuer sur moun sa yo et valoriser yo encadrer yo ba yo encadrement et aider moun sa yo les ça la Bible dit ça que religion ça li pu li s'entache devant bon Dieu. Alors, on nous garde synonyme mot religion. Synonyme mot religion. Nous avons quelques dans yo. Et pour comprendre que ça, mot ça, les mêmes, livre les dit. Et premier synonyme que nous avons de religion, c'est dévotion. Comment? Dévotion. Deuxième synonyme, c'est foi. Ça que la Bible met accent sur lui, tous les chrétiens doivent gagner la foi. Alors, premièrement, dévotion. Deuxièmement, foi. Troisièmement, mysticisme. Quatrièmement, piété. Et cinquièmement, nous joignons spiritualité. Ça veut dire que une religion
qui pur, qui sans tache devant bon Dieu, religion ça, li doit visiter les veuves, les orphelins veuves, c'est monde qui marié et puis marié li arrive mourir. Et puis moun sa, li pa travay, li pa genye, an yè ki rentre nan men pou ke li kapab viv, pou li kapab fonksyoni, moun sa yo nou dwe ankadre yo. Se pa seulement kapi ouver on l'eglise, et puis vin bat men ki fè bon di blaze non. Men vre religion, sou bezwen servi bon di tout bon, ou fin aksepte Jésus-Christ comme sauveur, il met dans la vie où. Vraie religion, hein? C'est ça. Et Jésus-Christ dit ça dans Matthieu. Et au dernier jour, il dit avec nous, qui c'est vraie religion, qui fait accepter, et puis qui a fait travailler ça. Il dit donc ça que moi, tu es malade, nous te venons ouem, moi, tu es à l'hôpital, nous te venons ouem, moi, tu es en prison, nous te venons ouem. Moi et pas de manger pour manger nous te pas manger pour manger et moi pas de garde pour me mettre sur moi nous te mettre garde sur moi les bras dit bienvenue et mais ça qui m'a réservé pour nous et les bras dit avec l'autre monde moi te grand goût non pas de manger pour me manger moi te tourné non pas de garde pour me mettre mais tout l'hôpital non pas d'aller moi te en prison non pas d'aller lui dit méchant aller dans l'enfer, place qui est réservée pour. Appliquez, ouais, vraie religion avec fausse religion, c'est deux barrières différentes. J'ai vu différent, place côté que bras est différente aussi. Ça qui est réservé pour vous, différent. Ça veut dire que c'est deux types de monde qui sont différents. Vraie religion, les visiter les malades. Les visiter les prisonniers, les visiter les orphelins, orphelines, les veuves, les veufs, les prendre soin monde ça yo, les aider tout monde puis à l'école, c'est pas seulement ouvrir Bible à parler, mais faut faire pratique. C'est aussi nous gagne pile chrétien et c'est parler ou parler, mais yo pas faire action, yo pas faire pratique. Nous besoin des chrétiens, c'est nous ça bon de besoin. Des chrétiens qui fait pratique, qui pratique la parole de Dieu. Tandis ça, la parole de Dieu dit dans Isaïe chapitre 1er, le verset 17, dans pas bon trop verset, il dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Je dis ça pour encore. Apprenez à faire le bien, apprendre fait bien, ou même Captain Dim. Si vous observez bon Dieu, tout bon, apprendre fait bien. Et la Bible pour le dire dans Jacques chapitre 2, il dit comme ça que la foi sans les œuvres est une foi morte. Faut faire bien, faut faire bien. Vraie religion. Faut faire bien. Si vous pas fait bien, la foi que vous gagnez, son foi qui monte. Monde qui fait œuvre là, aussi sans la foi, œuvre ça, il pas garanti en rien. Comme si n'a salué monde ça. Mais que œuvre pas sauver monde, mais nous-mêmes qui vraie religion, qui la foi dans bon Dieu, la foi marche avec les œuvres. Nous devons faire œuvre. C'est ça que bon Dieu a encouragé nous pour nous faire. Pour nous faire œuvre. Apprendre à faire bien. Il y a trop de méchanceté, il y a trop de mal. C'est à cause de nous la terre, dans l'état salier. Au cap même garder tête tout, c'est à cause de méchanceté qui fait la vie comme ça. Qui fait la vie à des graines goulées. Qui fait la vie pas de sens à cause de méchanceté. Au pape de monde, au pape mettre un radis sur le monde. Et au papa encourage au monde seulement ça que dans tête tout c'est fait mal changer mentalité ou changer attitude ou ça a aidé ou il dit apprenez à faire le bien rechercher la justice
pas faire moun injustice, protéger l'opprimé moun qui opprimé ce type de moun sa yo, orphelin, orpheline, veuve, veuf, moun sa yo, nous doué en protéger yo. Ce sont des opprimés, ce sont des moun qui blessés, moun qui a souffri mentalement, physiquement. Nous devons protéger moun sa yo. Gèdan moun sa yo fwa yo krasi, son zami krasi l. Gèdan moun sa yo, et si yon zami kfè ou pa marié, si yon zami kfè ou pa du travail, ou bien yon fami, moun même ensemble avec ou en tant que chrétien, la Bible dit, c'est pour nous protéger moun sa yo qui opprimé, qui besoin aide. Il dit faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Oui. Isaïe 1er verset 17. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Prends soin yo. Faites devoir. Aidez yo. Comprends ça avec yo. Défendez yo. Utilisez voix pour yo. Vous pas comme ça? Utilisez voix pour yo. C'est pour ça que nous là, nous disons c'est que Dieu, nous c'est que Dieu, nous c'est que Dieu. Chaque dimanche à l'église, n'est-ce pas? Chaque jour que l'église va à l'église, priez bon Dieu, levez des mains en l'air. Des fois, le problème n'est pas résolu, qu'il va pas résoudre, non. Mais, n'a que nous, nous pas l'amour. Vraie religion, c'est ça que la Bible a mis l'accent sur les là. Vraie religion, il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a le monde, parce que bon Dieu, il y a le monde. Bon Dieu crée le monde, bon Dieu remet le monde. Si que nous disons accepter Jésus qui comme nous veut mettre dans la vie nous, faut nous gagner même l'amour que bon Dieu gagne, faut nous remettre moun, faut nous remettre aider moun. Lorsque yon moun nan nécessité ou aider son gros bagay qu'on fait, la Bible dit que ou préserver le destruire du monde, ou préserver le destruire du monde. Lorsque ou aider un jeune fille, un jeune garçon qui t'a pas le vent col, le dégapé caille, la Bible dit ça, lorsque on fait ça ou idil pour le pas le faire bêtise ça, pour le pas le faire saleté ça, pour le pas faire des choses immorales ou idil ou payer l'école pour lui ou idil, c'est ça que la Bible besoin pour nous faire, contraire de religion, c'est agnosticisme, athéisme, incrédulité, incroyance, irreligion, scepticisme, algé, c'est tout ça yo qui contraire. Algé, c'est que ou est on a fausse religion, hein? Alors, mais qui type de monde qui ouye, ou sont monde qui incrédule, ou sont athées, ou sont incroyants, ou sont irreligion, ce type de monde ça yo, scepticisme. Oman, et li important, li fayon l'heure pour que moi-même ensemble avec vous accentue nous sur la parole de Dieu, pas sur le monde, mais sur la parole de Dieu. Jacques 1er, verset 27. Dans la religion pure sans tâche devant Dieu, notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à su préserver des souillures du monde. Vous connaissez un pile souillure dans le monde là, un pile bagay, perversion. En pile péché, en pile immoralité, l'on est dans le monde. Ou idil pour ne pas tomber dans le bagage sa yo. Et bon Dieu a béni ou de génération en génération. Ne pas tout le temps ça. Et que bon Dieu béni ou. Nous invite ou dans l'église avec Shekinah Tabernacle chaque vendredi 8 p.m. Nous avons une vie de prière. Chaque dimanche, nous avons un culte d'adoration qui a commencé à midi. Nous finissons à 2h30 chaque dimanche soir. Nous commençons à 7h PM. Adresse c'est 80 West Merrick Road, Freeport, New York, 11520. Nous invitons à venir adorer avec nous. Téléphone c'est 516-468-1541. Pas hésiter.